Alors, je fais cette vidéo dans la région de l'est du Cameroun, précisément la localité de Djoum. Ici, plus loin, nous avons deux salles de classe. Nous avons deux salles de classe, comme vous pouvez voir. Elles ne sont pas en très bon état. Ici, nous avons les plus petits. Et là, vous avez l'axe lourd. Qui va à Yaoundé, qui lie Bertois à Yaoundé. Et de l'autre côté de la route, c'est les grandes classes. Alors je vais traverser pour voir comment ça se passe là-bas. Alors nous avons traversé la route et le directeur de l'établissement nous a invités pour voir un peu les réalités de cet établissement. Ce sont des Camerounais comme nous tous. Et nous avons tous bénéficié de l'État. Et ces élèves dans cette localité ont aussi droit à ces faveurs que nous, qui avons grandi en ville, avons bénéficié. Thank you very much, children. I am very happy to visit your school, and I am very happy that your principal here, or your director has accepted to have us for a few minutes to visit you. Good afternoon, sir. Good afternoon, children. How are you today? Fine, thank you. How are you too? I am very well, thank you. Go. Oui, mon nom c'est Monsieur Mbolo Nama. Je suis directeur de l'école publique de Djoum. Cette école a un effectif de 292 élèves. Pour 4 enseignants d'État, aucun bâtiment d'État, aucune toilette, aucun point d'eau, aucune aire de jeu. Et vous voyez vous-même comment nous n'avons rien. Les tables, les enfants sont assis à même le sol. Nous sommes obligés de trouver les troncs d'arbres. Donc c'est une situation, nous décrions et demandons la main forte de l'État et des élites, des ONG, pour que l'élève de Djoum soit aussi soit mis dans les conditions comme les autres élèves. Donc merci de votre visite. Nous tendons la main à l'État, ONG, aux élites pour l'amélioration des conditions de travail, pour un cadre.